Salut les petits loups, c'est Redol. Ah putain, elle a coupé. Salut les petits potes, c'est Redol. Alors aujourd'hui on va essayer une moto qui tombe pas en rade, comme la mienne. Voilà. Enfin. Tu me rattraperas le sommet. Aujourd'hui je vous fais de l'ASMR. Fumier. Vas-y, tu commences. Salut les petits potes. Salut les petits. Jour 3 de l'Ice Festival. Ça marche. Bah bisous à tout le monde. Aujourd'hui c'est balade moto, on fait une course de mini FTR avec Indian. Et enfin vous verrez, je sais, on est dans le rush là. Pour le moment c'est balade. Balade et resto. Oui. Oh, eh, j'ai oublié de te dire, tu t'abonnes hein. Tu t'abonnes. Venez, on va voir Indian. Attends, bonjour. Représentante Indian. Azeria Rider va conduire cette chose. C'est bien, bravo. Moi, je vais essayer celle-ci. La FTR, carbone. Les détails. Ah, il commence à faire quelques gouttes. Oh, c'est un vélo. Qu'est-ce que c'est con, toi? Ouais. Ouais, le bruit est pas incroyable. Ouais, mais il y a les chicanes. Oh, enlève. Attends, tu veux que je tire? Ah, on commence à se prendre la pluie. Qu'est-ce qu'elle a dit, la madame, déjà? 120 chevaux, 230 kg. Rapport poids-puissance, c'est plutôt pas dégueulasse. Et alors, elle est tellement fine. Moi, j'ai l'habitude, sur ma XGR, j'ai un très gros réservoir. Là, c'est un vélo. Ça a l'air encore plus léger que ce que ça a l'air. Ah, le frein arrière, que dalle. Le frein avant, par contre, il freine plus que bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les tester un peu plus fort, là? Parce que là, à cette vitesse, sur une FTR, c'est du gâchis. Waouh. Oh oui, ça accélère si fort. Oh, il m'a fait peur, il a fini dans le fossé lui. Alors c'est très dérangeant parce que le guidon vibre vraiment très fort quand tu commences à attaquer. Mais genre, j'ai jamais roulé une moto où, sur laquelle le guidon vibre autant à l'accélération. Même là, tu vois, je suis à 2000-3000, je sens que le guidon vibre. Du coup, je pense que c'est une moto qui va bien sur une courte balade. Tu feras une journée avec, je pense que t'as des fourmis dans les mains. Voilà, j'ai une cape, j'ai actuellement mon comment ça s'appelle, le truc orange là, je perds mes mots. Bref, ce truc là, il y avait un scratch et ouf, le scratch est parti. Oh non. Ah non, là ça flotte sévère. Ah, puis alors vu que je suis en mèche, ça passe tout à travers direct. Oh, elle ne bouge pas d'un pet dans les virages, tu peux l'emmener tant que tu veux. C'est un truc qui est clairement fait pour rouler fort, ou dit autrement, un truc fait pour perdre son permis. On a attendu un petit peu parce qu'on avait perdu le reste du groupe. Ouais, tu vois, pour exemple, enfin, il y a, bon, le mec devant qui encadre, c'est un pilote, donc peu importe la moto qu'il va prendre, il va rouler fort. Mais nous, on est des gens normaux qui roulons pas non plus extrêmement fort ni extrêmement bien. Pourtant, regarde, avec l'FTR, on lui colle aux fesses. Et derrière, j'ai beau regarder dans mon rétro, il y a plus personne sur les customs. Tu vois, c'est ce que je disais, si tu fais une balade et que tu peux même pas, tu vois, rouler avec tes potes parce que t'as envie d'aller trop vite, bah, naze. Mais ce guidon qui vibre à ce point là, je sais pas comment vous expliquer, faut essayer. C'est un peu comme quand, tu sais, quand tu fais du VTT et que tu prends une descente à fond. Et ben, à la fin, t'as des fourmillements dans le bout des doigts. Et ben là, ça fait pareil. En fait, le truc qui me gêne avec ce genre de moto, c'est que si tu roules pas comme un fou furieux, genre si tu roules pas, bah, tu te fais chier en fait. Vraiment une chouette moto pour rouler fort, pour arsouiller avec les copains, pour faire la course, pour ce que tu veux, mais c'est pas ce que je recherche dans une moto. Elle est très belle, c'est pas moi ce qui me fait kiffer dans la moto, ce sera pas ma prochaine. Après, tu vois, si un jour j'ai une collection dans le garage, pourquoi pas. Si j'avais une seule moto à choisir, ce serait pas elle. Du coup, pour ce deuxième essai, je vais essayer la Chief Bobber Dark Horse. Alors, vous avez le choix ici parmi des motos de 116... c'est quoi l'unité déjà? Cubinch. Cubinch? Oui, c'est écrit dessus, regarde. Là, regarde, 116 cubic inch. Elle est belle celle-là, hein. Les détails sur la selle et tout. Elle est jolie, elle est épurée. Ouais. En fait, tu
qui prend de la place, c'est le moteur. Hein. C'est ça, on voit que le moteur, mais j'aime beaucoup. Hein. Sincèrement, je pense que je vais plus kiffer là-dessus que sur la FTR. Après, encore une fois, c'est très personnel. Hein. Moi, ce que je dis, prenez le pas pour acquis, allez essayer les bécanes et faites-vous votre propre avis parce que ça dépend vraiment des ressentis de chaque. Bah, je te confirme, j'ai mieux kiffé. J'aime beaucoup la position. La moto de moi sur la moto. Me va bien ? Ouais, ça va. Allez, une note sur 10 de l'esthétisme, savoir comment elle me va, celle-ci. Dites-moi tout. Saute, saute, saute. Petit tour rapide de l'interface. Oula, il y a beaucoup d'informations. Il y a une petite carte. Ok, le compteur classique, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ? La température, le niveau de batterie, la conso, combien il reste d'essence, ok. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Le mode. Ah ok, fallait embrayer pour y aller, ok, très bien. Ouais, le mode sport, apparemment, ne pas le mettre si t'es à l'arrêt. Apparemment, parce que sinon, ça, voix de sévère et t'as la bécane qui part sans toi. Ah, où sont les trucs ? Ah, trucs, les repose-pieds par exemple, hein. Ça a l'air d'être maniabilité, ça a l'air d'être quelque chose. Elle me tout le monde me copie. Ça y est, je fais des zigzags, ils font pareil. Ils ont zéro personnalité les copains, hein, je te jure. On va tester l'accélération en mode classique et on va voir ce que ça donne en mode sport. Maintenant avec Clem, on est la team rouge, je suis obligée de mettre des gants blancs pour qu'on nous différencie. Ah ouais, mais rien à voir là, les freins ils sont carrés. Là tu sens qu'on n'est pas là pour rigoler. On a les pieds bien à l'avant. Alors, voyons voir ce mode sport. Alors, je suis pas très fan par contre du fait de devoir toucher cette partie là pour changer les modes. Ça aurait été pas mal qu'il y ait juste un petit bouton, tu vois. Ça évite de... Waouh. Oh. Ok, je comprends la différence. T'as à peine la poignée, tu tournes à peine. Waouh, t'as la tête qui part, t'es... Wouh. C'est incroyable, effectivement. Ah là, là j'ai la banane. Là j'ai le smile, tu vois. Ça c'est une moto qui fait plaisir. C'est la vitesse à laquelle on... Ah là tu vois, je commence à toucher. Je m'attendais vraiment à toucher plus tôt là. Ah non mais... Ça c'est clairement une bécane que je pourrais acheter. Ah non mais ça envoie... Putain, ça a la gueule d'une custom, mais un comportement. Oh, oh là 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 là. Très très agréablement surprise par cette petite indienne. Et puis alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais la gueule qu'elle a, c'est incroyable. Elle a un physique de malade. Tu vois, quand t'es tranquille, le mode sport, il est pas agréable. Il est pas agréable parce que ça te donne des coups de cul. Tu vois, je sais pas si tu vas le sentir à la caméra. Le mode sport, tu le laisses pas si t'es là pour cruiser, tu vois. Ouais, je me renseigne sur le budget quand même, avant de kiffer autant sur cette bécane. J'aurais peut-être dû me renseigner avant. Ça m'aurait peut-être calmé. Eh, vous savez quoi ? Je viens de me mettre un peu de musique dans les oreilles. C'est incroyable. Tout ça pour montrer son cul. Alors, voyons voir. Quand est-ce que je peux te doubler, toi ? Bah là, par exemple. Ouais, je me vois clairement sillonner les routes sur cette bécane. Accroche le bitume, mais d'une force. C'est dingue, c'est à la fois très détente et très agressif comme moto. Je dois avouer que ça me correspond plutôt pas mal comme description. Hein. Ça s'entend que je kiffe. Ouais, je crois que ça... oui. Non, je descends pas. Je reste. Oh la souplesse. Ah, je peux pas tourner le guidon par contre. Et les genoux qui bloquent. J'ai les genoux qui bloquent. Allez, on roule mais en ligne droite. Hein. Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Faut rester là. Ok. Sous les mains. Ouais mais c'est là où ça devient. Il y a plus d'amitié là. Alors. Il y a plus d'amitié. Salut les petits potes. Aujourd'hui on va changer un petit peu de ton.
tu te calmes ou je te calme. Voilà. On est dans la même équipe, mais en vrai, non. On est en vrai. Non. En vrai, on n'est pas dans la même équipe. Déjà, on est trop tout. Qui peut gagner la truc. Il y a plus de potes. Commence les galops. C'est important. Qu'est-ce que c'est toi ? Coucou. Coucou. Oh putain. On va faire ça devant tous ces mondes. Ça va se jouer en 4 manches. Ça va partir en couille, c'est pas. Ça, c'est sûr. Je vais piquer. Je vais piquer toi aussi. Non. Le premier de chaque manche ira à la dernière participante, Agathe. Ah, c'est toi ? Allez ! Allez, j'arrive. Levez la main si vous êtes prêts. Oh non! Oh non de Dieu! Pousse-toi là! Ah! Oh non de Dieu! On appelle Kevin du French Retro. Ah Nico, Nico. Et un changement. Ouais. Allez. Vas-y Kevin. Vas-y Kevin. Il a choisi Kevin. Kevin hein. C'est la pire place. Kevin. Hey. C'est tu pire ta couille. Là les gars, là ça va bastonner sévère. On nique la gueule. Ils sont pas prêts. Il y avait un tour trop bon. Non, kérosine. Non mais pousse en bas, pousse les fesses. Hein. Il y a de la prise. C'est bon pour vous. C'est bon. J'ai de Jean-Louis. Attention, on entame le dernier tour. Delphine. Allez. C'est parti pour le tour. Très très bon départ. Allez, 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 allez. Oula la roue arrière. Oula roue arrière. Ouh. Hop là. J'ai tout donné hein, j'ai pas réussi. J'étais pas en meilleure position. Tu vas faire caca ? Non. Ça va pour l'instant. Je ressens pas le besoin. Mais quand je ressentirai le besoin, je te ferai signe. D'accord, très bien. Oh merde. À 3, 1, oui. Non mais c'est mignon. Mais là, mais j'ai pas tapé. Il commence doucement, il commence doucement. Bah tapé. Allez, vas-y. Elle prend l'élan. Allez, vas-y, bam. Oh, bien. Point de vue. Bon, et ben ça y est, les amis, l'Ace, c'est déjà fini. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou que cette série de vidéos vous aura plu. Et puis, si jamais tu veux en voir plus, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, tu seras au courant de tout ça. De ce qui se passe, des nouveaux événements, des nouveaux essais, des balades trop cool. Et puis, bah, au plaisir de se croiser peut-être l'année prochaine sur l'événement. Hein ? Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.